Tu sais qu'à ta place, mon cher Sigmund, je serais fier. Ta fille Hyacinthe est revenue de Suisse métamorphosée en charmante jeune femme. Elle est ravissante. Oui, mon cher Arnaud. Je suis très heureux, mais je le serais encore plus si sa mère était parmi nous. Ah, nous vieillissons, monsieur le comte. Je crois que c'est encore hier qu'elle gambadait toute gamine dans mon jardin avec mon fils Rudolf. Aujourd'hui, elle a 18 ans. Et toi aussi, tu peux être fier. Et Rudolf est un très gentil garçon. Et il vient de terminer son droit avec une des meilleures notes de sa promotion. Sais-tu, Sigmund, que nos enfants forment vraiment un couple adorable. On dirait que nos pères parlent de nous, regarde. Eh bien, mon cher juge, je te soupçonne d'intriguer pour t'allier par mariage à la noblesse. Moi, oh, toi, oh, oh, je vois très bien dans ton jeu. Oh, comme je suis heureuse, je me sentais si seule. Quelle soirée merveilleuse, je ne sais comment vous remercier pour cette fête. Je ne pourrai jamais oublier cette nuit, jamais. Hyacinthe. Rien n'est trop beau pour toi et les années que tu as passées en Suisse t'ont très bien réussi, tu sais, tu es une femme maintenant. Tu es très belle et tu pourrais me faire perdre la tête. Très joli. Quelque chose à voir? Volontiers. Vous permettez? Je ne vous ai jamais vu. Regarde. Je suis l'esprit du mal, le saviez-vous? Je suis le diable en personne. Mmh. Tu as vu ce type, il ne me plaît pas du tout. Papa, je ne serai pas longue. Il faut que je passe reprendre un vase en porcelaine et puis j'irai à l'église après. Bien, mais attends-nous au portail. J'irai faire une petite promenade en compagnie du juge et de Rudolf. D'accord, au revoir, papa. À tout à l'heure. Frau Hildegard. Mais où êtes-vous? Bonjour, comtesse. Bonjour, Madame Hildegard. Monsieur Daninsky? Monsieur Daninsky, puis-je vous présenter la comtesse von Zweigbergen? Comtesse, voici Monsieur Waldemar Daninsky. Enchantée, comtesse. Le Polonais se montre bien galant, mon Dieu. Il ferait mieux d'entendre raison. On dit, et je le tiens de source sûre, que même les femmes mariées ne sont pas en sécurité avec lui. Ce vase me plaît énormément. Pouvez-vous me le faire livrer? Mais certainement. Merci.
Bonjour, princesse. Cela ne t'ennuie pas que je conduise? Oh, bien sûr que non. Hyacinthe, Rudolf et toi, faites donc une petite promenade pendant que le juge et moi, nous avons à parler à faire. Ne t'inquiète pas, Hyacinthe, je raccompagnerai ton père à la maison. Toi, ne conduis pas comme un fou. N'appuie pas sur l'accélérateur au lieu du frein, pas, Rudolf? Oui. Tu m'as bien entendu. Ils vont bien ensemble. Allons-y, mon cher ami. Quelle merveilleuse soirée j'ai passée hier. Oui, pour moi aussi, ça a été extraordinaire. Il n'y a manqué qu'une chose, je peux te l'avouer maintenant. Il y a si longtemps que je ne suis venue ici que je me sens toute dépaysée. Tout est nouveau pour moi. Cet endroit est absolument fantastique. Et ces ruines, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une vieille abbaye. On dit que des souterrains conduisent au château. Ah oui? Eh bien, allons-y. Allez, viens, viens. C'est terrifiant. J'ai l'impression d'être dans la maison du docteur Dracula. Oh, absolument merveilleuse, cette armure des... Hyacinthe, allons-nous-en, ces ruines ne disent rien du tout. Allume, je suis sûre qu'en haut, il y a des choses à voir. S'il te plaît, Rudol. Rudol, viens voir en haut. Oh, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vu votre voiture devant la porte, alors je suis entré. Ah, monsieur Valdemar, vous nous avez fait une de ces peurs, mais je suis contente de vous voir. Cher ami, puis-je vous présenter la comtesse? Oh, ne vous donnez pas cette peine, monsieur Westman. La comtesse et moi avons déjà été présentés. Je m'étonne de vous rencontrer dans un endroit pareil. Je pensais que j'étais le seul à oser fréquenter ce lieu perdu. Moi, je ne suis pas surpris que ces ruines vous attirent. Vous avez raison, mais... Le château des Wolfstein est attirant. Je viens souvent me retremper dans cette merveilleuse solitude. Partons, Hyacinthe. Il se fait tard. Valdemar, expliquez-moi pourquoi tout le monde évite cette région. Même Rudolf, d'habitude si sûr de lui, a l'air d'avoir peur. Il circule des histoires étranges sur cette vieille maison. Elle a appartenu aux Wolfstein, une famille originaire de Hongrie qui s'est fixée ici il y a plusieurs siècles. Il y a 50 ans, Imre Wolfstein, sa famille, a fait un voyage en Extrême-Orient. Là, il a eu une vilaine histoire. Ça y est, Wolfstein, je me souviens. Quand j'étais petite, une vieille servante m'avait raconté une histoire effrayante. Vous ne voulez pas me... Au Tibet, un loup-garou l'a mordu à la poitrine et la malédiction de l'étoile noire fut sur lui. Quand il revint, il commit des crimes qui terrorisèrent le pays jusqu'à ce qu'on découvre que c'était lui. Une nuit, pendant qu'il dormait, il s'est retrouvé avec une croix d'argent plantée dans le cœur. Depuis ce temps-là, il repose dans le caveau de famille des Wolfstein. Partons, Hyacinthe, il est déjà tard, la nuit tombe. Ne manquez pas de me tenir au courant. A tu padre no le va a gustar que hayas hecho amistad con Valdemar. Es un tipo de cuidado. No te conviene. No te entiendo. Creí que eras más generoso. Excuse-moi. Je suis jaloux. Du fou. Rudolf, parle-moi de ce Wolfstein. Que veux-tu que je te raconte? Le Polonais n'a que ça à faire, il a tout son temps.
Ça, c'est des superstitions complètement idiotes. Oh, loup-garou, c'est palpitant. Il dort là-haut. Et si la légende dit vrai, il sera sauvé le jour où quelqu'un lui tirera une balle en argent, en plein dans le cœur. Arnaud, je commence à m'inquiéter. Voilà une heure qu'il devrait être là. Ne t'inquiète donc pas, ils ont été retardés. Rudolf ne peut pas s'égarer, on peut se fier à lui. Tu as vu ça, le salaud? Il ne peut pas faire un peu attention? Malédiction sur toi! Décidément, tout va mal. Si je me mettais à croire aux sorcelleries, ces pauvres tziganes ne manqueraient pas de m'influencer. Soyez maudites! Allez, toi, aide-moi. Allez, pousse, allez, vas-y. Oh. Attendez, est-ce que je peux vous aider? Et on dirait que vous l'avez échappé belle, non? Oui, c'est très gentil à vous. Mais ce salaud a fait peur à mon cheval. Ça, c'est Natacha, ma femme. Et moi, je suis Yoko Slovania. On y va? Oui, merci. Bon. Je ne sais comment vous remercier. Bon, maintenant, on s'en va. Et ma chère Anne Sétan, est-ce que par hasard, vous ne connaîtriez pas un endroit où on pourrait aller s'abriter? Si vous prenez plus bas, vous allez passer devant un château. Et puis, vous trouverez un pont. À environ 5 km, vous trouverez une vieille maison abandonnée. Vous pourrez vous y mettre à l'abri. Et merci, au revoir. Bonne chance. Intérêt à te dépêcher, Natacha, sinon on va être trempé. Vite! Mais, dis-donc, je me demande si on ne s'est pas trompé. Attends. Les gens qui habitaient là. Remarque, après une bonne nuit. Va t'occuper du cheval. Je vais essayer de faire du feu. Je vais nous confectionner un petit repas. Il n'ouvre pas aux fantômes. Il y a même encore des bougies. T'en fais pas, ma vieille. Tiens. Ah.
Qu'est-ce qui se passe? Ouah hein? Crois-tu que j'ai eu la frousse de ce vulgaire chandelier? Ah bon? Et tu n'as pas tout vu? Je veux voir ça. Regarde ce qu'il y a comme bon vin. On va arroser la soirée avec ça. Oui, ce soir, c'est notre tour d'être riche. Maintenant, écoute-moi, Natacha. Il y a des mois que j'en ai envie. Oh. Attends, donne. Écoute-moi, veux-tu? Dehors, j'ai aperçu le caveau où sont enterrés les riches. Ils doivent être tous bouffés par les vers, mais couverts de bijoux. Il n'y a qu'à soulever le couvercle de leur tombe. Tu comprends à présent? Oh. Les voilà, finalement. Pourquoi t'es-tu inquiété, papa? Mais mes enfants... On vient de faire une découverte sensationnelle. Une maison qui fait peur à tout le monde. Même à Rudolf. À la santé. À la nôtre et à celle des chauves-souris. Oh, ma bouteille. Viens là. Oh. Allez. Allez, finis celle-là. Finis. Bien. Allez. Embrasse-moi. Non. Quelle serrure, quelle saleté, j'ai jamais vu ça, attends. Mais ça résiste, hein. Tiens, donne ça, allez, donne. Et puis arrête de rigoler, tu veux. Viens, allez, viens, je te dis. Imre von Wolfstein. Non. Allons-y. Allez. Allez, tire. Allez. Allez, fort. Vas-y.
Magda. Mon Dieu, c'est effrayant. On ne peut donc pas supprimer ces bêtes fauves. Gretel, tu vas pouvoir rentrer chez toi maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'épouvantable. C'est affreux. Absolument tout le village est sans dessus-dessous. Oui, c'est encore un coup de loup-garou. Anita, la fille du facteur, ainsi que Jean ont été tués, dévorés vivants par des carnassiers. Oh, toutes les fois que la neige tombe dans la montagne, les créatures du diable ont faim et on ne peut même plus sortir la nuit. Est-ce que tu as entendu dire où ils ont retrouvé les cadavres? Oui, c'est à peine à quelques pas d'ici. Et les Wolfstein ont eu leur caveau éventré. On va organiser une chasse pour ce soir. Tous les hommes valides vont y participer et ils vont recevoir une bonne leçon. Bonsoir, Monsieur Daninsky. Bonne nuit, Magda. Bonsoir. Et si j'y allais, moi aussi? Gentil d'être venu. Une femme en principe ne fait pas de compliments à un homme, mais j'ai attendu votre appel avec impatience. Il fallait que je vous revoie le plus vite possible, Yassin. Là-bas, il porte cette pauvre Anita au cimetière. Les cloches annoncent l'orage, elles appellent les hommes à la chasse aux loups. Oui, c'est ça. Mon Dieu. C'était une si jolie fille. Finir de cette façon. Vous n'y allez pas? Bien que je ne sois pas très bien vu à Dungelstadt, j'irai aussi. Il faut absolument nous débarrasser de ces bêtes. Allez, allez, dehors. Sortez, allez en bas. Allez, allez, ouste. Rassemblez-les près des voitures. Ado, Frédéric, Igor, Monsieur le maire, Arnaud, le garde forestier. Ça, c'est pas gay, hein. Vous vous rendez compte, j'ai hérité de la baraque ensorcelée des Wolfstein et je tiens à ma peau. Vous voulez pas en échanger? Tiens, je te donne le mien. Merci, monsieur. Vous, monsieur le garde, prenez le groupe qui est en carrefour. Entendu, monsieur le comte. Monsieur le maire, je ne serai pas loin de vous. On se couvrira mutuellement en direction du nord avec tous les hommes. Naturellement. Moi, je pourrais aller vers le sud, comme ça on couvre toute la région. C'est très bien parlé. La nuit va tomber et les hommes s'impatientent. Allez, allons-y. Il semble que le destin nous réunisse à nouveau, mon cher. Ma place est bien près de la vôtre. Décidément, je crois que vous n'avez pas de choix. Plus près. Viens, Hoopster. Quadrillez cet endroit. Approchons, messieurs. Allez-y, monsieur le garde. Bien.
Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Allez, viens. Vous avez du courage. Les loups sont des bêtes très dangereuses. Merci du renseignement, monsieur Daninsky. Je le savais. Mais figurez-vous, je l'avais appris à l'école. La chasse. Devenir fou. Il y a de quoi perdre la raison. Et vous? Il ne vous a pas blessé? J'ai du sang de cette sale bête, mais elle a eu le temps de me blesser. Ne m'en veuillez pas. Je ne pouvais pas arriver à croire à cette histoire de sorcier. Je n'oublierai jamais. L'important est de le repousser et que personne n'apprenne cela. Et quand il sera rentré, il n'y aura plus qu'à éviter une nouvelle panique. Waldemar, tu peux avoir confiance en moi, tu sais, à la vie, à la mort. Dis-moi ce que je dois faire. Reste ici et j'arrangerai tout. Je pense que tout ira bien. Ensuite, j'irai à l'église. Il faut quelques jours avant que la malédiction fasse son effet. Je t'attendrai demain à la maison. Terrible, je suis marqué. J'ai l'empreinte de l'étoile noire. La malédiction va agir. Mais je ne peux pas rester comme ça. Il y a sûrement un moyen. On le trouvera bien. Oui, Waldemar, ne crains rien. Compte sur moi. Et tu sais, je vais faire l'impossible. Rudolf, m'expliqueras-tu enfin ce qui se passe avec Waldemar? Magda m'a dit qu'il avait gémi toute la nuit. Et il n'a rien mangé. Il ne veut pas voir le médecin. Dis-moi enfin ce qui ne va pas. Tu l'as vu, toi. Hyacinthe, il y a une heure que je te dis que ce n'est pas un homme pour toi. Je dois parler à monsieur Danis. Je regrette, comtesse. Absolument personne ne doit le déranger. Mais Magda, laissez-moi le voir. Comtesse, je ne peux pas vous laisser entrer. Oh, je vous en prie, je n'ai pas le droit de vous laisser monter. Je sais que tu es malade, mais fais rien. Je suis venue comme il fallait que je te voie. C'est Rudolf qui t'a envoyé? Non, tu te trompes. Je suis venue de mon plein gré. Oh. Te quiero. Valdemar. Te quise desde el primer momento. Ah.
J'ai apporté ce qu'il fallait. Ce sera très bien. Ne t'inquiète de rien. Tu sais pourquoi c'est faire. Aie confiance en moi. Valdemar. J'ai peur, la nuit est si noire qu'on se dirait en enfer. En tout cas, j'ai jamais craint les loups de ma vie et avec la séance de l'autre soir, je crois qu'on n'est pas près de les revoir. J'ai perdu mon âme et ma vie. Je suis devenu une créature de Dracula. Écoute, Valmar, il va bien y avoir une solution. J'ai une prière. La prochaine fois, tu m'entends? N'hésite pas à tire sans remords sur moi. Je ne veux plus être un danger. Tu m'entends, Rudolf? Tu tires. La nuit a été interminable et j'ai eu le temps de réfléchir. Il faudra absolument trouver une cachette. Il doit bien y avoir un endroit qui convienne et où je puisse aller te rendre visite dès que possible. Dès que tes crises seront apaisées. Il existe cet endroit. Les cryptes du vieux château, oui. Pour être celui des Wolfenstein. Oui, c'est une idée formidable. Il n'y a pas une minute à perdre. Là, tu seras hors de danger. Nous aurons tout le temps de trouver une solution. Tu verras, nous te sauverons. Je te remercie de ton courage, Rudolf. Mais la prochaine fois, tu sais, n'hésite pas à tirer. Supprime-moi, tu me l'as juré. N'oublie pas. Mon Dieu, c'est fini. Il faut que je renonce à elle. Écoute, tu vas me rendre un dernier service.
Tu vas lui porter une lettre. Une lettre d'adieu. Vous sortez déjà si tôt. Vous ne voulez pas me dire où vous allez? Magda, il faut que je fasse un long voyage. Il est possible que je n'en revienne jamais. Je suis malade, très malade, tu sais. En tout cas, je te remercie pour ton dévouement et ta gentillesse et ta fidélité. Que Dieu te bénisse. Vous trouverez assez d'argent dans la maison de votre maître. Rentrez donc chez vous. C'est la meilleure des solutions. Ma demande doit être loin déjà. Il vaut mieux l'oublier. Tu es jeune. Tout passe et tu seras de nouveau heureuse. Mais il est malade, je le sais. Il a besoin de moi. Oh, je t'en supplie, Rudolf. Si tu m'aimes un peu, dis-moi où il est allé. Je l'aime, Rudolf. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je comprends, mais je ne peux pas, Hyacinthe, je te le jure. Je ne peux pas. Naturellement. En tout cas, je te remercie. Merci pour lui. Alors, au revoir, Hyacinthe. Je reviendrai. Ne te fais pas trop de soucis. N'aie pas peur.
pas te laisser seule, mon amour. Ne m'envoie pas, je t'en prie. Tu ne m'as rien dit, pourquoi? J'ai tant de peine. Tu sais, mon amour, je t'aime plus que ma vie. Mon amour durera plus longtemps que la vie et la mort. Comment répondre à ton amour alors que je suis maudit? Ah non, je ne peux pas, je sens que je deviens folle. C'est mieux, dans le fond, qu'elle sache, comme ça on sera plus fort. Et maintenant, tous au travail. Quand la nuit est tombée, il est déjà trop tard. Allons. Allez, sors. Esta situación es sencillamente lamentable. Le repito, señor Weissman, que soy... Gracias, Ilse. Que soy un hombre del siglo XX. No creo en cuentos para viejas. Estoy de acuerdo con el señor alcalde. El asesinato del guardabosques ha sido obra sí, de... Sí, ya lo dijo usted antes, de algún enemigo personal de Otto. Otto, el guardabosques, era muy violento. Muchas personas de la región le odiaban. ¿Hasta el punto de acabar también con su hija? Y a dentelladas. No me dirán ustedes que los lobos fueron quienes derribaron la puerta. Sí, es un caso extraño. Pero pronto aclararemos todo y entonces nos parecerá ridículamente sencillo. Señores, seamos serios. Este es un país de supersticiones muy arraigadas. Corren tantas historias extrañas que a los sencillos lugareños podrán impresionarles. Pero a nosotros... ...que se tenait la bibliothèque des moines. Il y a quelque temps, en lisant les chroniques, j'ai appris qu'une malédiction pesait sur l'ordre en question, car il avait manqué son but et s'était livré à des pratiques diaboliques. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de tout ça? Il y a aussi de nombreuses études. On en a trouvé sur la magie noire. On trouvera peut-être quelque chose pour aider Valdemar. Mais tout est écrit en latin. Et alors, tu oublies que j'ai fait mon droit? Hyacinthe. Oui, papa? Enfin, mais d'où viens-tu si tard? J'ai été faire une promenade à pied avec Rudolf. Ah, et je me suis fait du mauvais sang à cause de toi. Il est temps de penser à ton retour en Suisse et à tes études. Papa, je suis si bien près de toi que je voudrais rester toujours à tes côtés. Ah, oh, merci, ma petite fille, pour ce compliment, mais ton avenir avant tout. Des faits étranges et bizarres, des personnes sont assassinées, et il y a du danger. Je ne voudrais pas que tu cours un risque quelconque. La disparition de ce Polonais et de sa gouvernante, je ne veux pas, à cause de tout cela, que tu séjournes un jour de plus dans cette étrange maison, ma fille. Mais je suis une grande fille, papa, je sais très bien me défendre. Non, c'est pas une raison. Réfléchis, tu exagères toujours. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mais non, rien à voir avec ça. Les Holstein sont originaires des Carpates. Dans la chronique de cette famille, il est question d'un certain Vladimir Holstein. On l'appelle l'homme au-dessus de la vie et de la mort. Ça se passait en 1614. On dit que c'est une race maudite. Oh, j'en ai assez entendu. Pour moi, il n'y a qu'une seule issue, la croix et les balles d'argent. Finissons-en avec cette affaire. Gardons ton droit et le reste. Calme-toi, ton stage demain. Calme-toi. Mais laisse-moi ton pied. À l'attention de Imre Wolfstein, le 22 mai 1927. Cher Imre, à vrai dire, tes dernières lignes sont alarmantes, car tu le sais, le temps est contre nous. Le vieux Daninsky se méfie de toi, c'est dangereux. Il faut que tu prennes garde et que tu évites absolument de sortir pendant la pleine lune. Je crois que je pourrais t'aider, mais je te le répète, au cas où on te surprendrait et au cas où la croix et les balles d'argent t'endormiraient,
je ne te serai plus d'aucun secours. Mais tu dois continuer à vivre. Écoute, docteur Janos Mialov, château de Ravenitz, Hongrie. Lisa Valdemar. J'ai entendu de père quelque chose. Quelque chose qui est confirmé par cette lettre. À l'époque, il avait affaire avec la neutralisation d'Imre Wolfstein. Et maintenant, c'est mon tour qu'il y a. Valdemar, regarde l'adresse de l'expéditeur. Docteur Janos, il peut te sauver. Cet homme de science connaissait le cas d'Imre Wolfstein. Comprends-tu? Dans son cas, il n'est pas arrivé à temps, mais dans le tien, il faut faire quelque chose. Ah, es-tu gentil, je sais, tu cherches à me rassurer. Et depuis le temps, le docteur est sûrement mort. Bien, c'est un vieillard en pleine force. Il y a une possibilité. Je vais lui écrire une lettre. On a trouvé la clé du problème. Partez. 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 Valdemar. Valdemar. Valdemar, je t'en prie. Valdemar. Valdemar, Valdemar, je t'en prie, calme-toi. Cela tient du miracle, Hyacinthe. Le docteur a répondu à ta lettre. Il dit qu'il arrive samedi. Il vient par le train qui arrive à Dunkelstadt à 3h du matin. Que père le sache. On le conduira ensemble directement à Valdemar. Docteur Janos Mialov, mon nom est Rudolf Weissmann. Oui, je suis le docteur Janos Mialov. Puis-je vous présenter ma femme, Vandessa, monsieur Rudolf Weissmann. C'est une amie à moi, la comtesse von Zweibergen. C'est la fiancée de Valdemar. Excusez-moi, je suis surpris par votre jeunesse, professeur. C'est normal, je suis le fils du docteur Mialov, dont vous avez découvert la lettre, monsieur Weissmann. Mon père est malheureusement mort depuis quelques années, mais il ne m'en a pas moins transmis ses pouvoirs avant de mourir. J'espère pouvoir venir en aide à votre ami. Ici, dans cette caisse, se trouvent les instruments de travail de mon mari. Ils sont très fragiles et demandent à être transportés avec soin. Nous commencerons à les mettre en place dans la maison dès ce soir. Nous les monterons dans ma voiture. J'ai loué un camion à cette intention. Nous pouvons y aller dès ce soir. Rejoignons la voiture. Thank you.
Montez, je vous prie. Merci. Docteur Mialov, madame, mon ami Valdemar Danitsky. C'est très aimable à vous, docteur, et je vous en remercie personnellement. Tous mes remerciements, madame. Je suis très surpris. Je vous avais imaginé beaucoup plus. Il s'agit du fils du docteur Mialov dont on a trouvé la lettre. Mais il pourra t'aider, car il a hérité de tous les pouvoirs de son père. Il faut commencer sans attendre la nuit. Le journal annonce la dernière nuit de pleine lune, et cela nous laisse une heure environ devant nous. Jusqu'à la nouvelle pleine lune, je pourrais vous aider. Non, je ne crois pas. Je ne suis absolument pas aussi optimiste. En haut, je vous ai fait préparer un appartement convenable. Dans tous les cas, Hyacinthe et moi, nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que tu as des nouvelles de Hyacinthe? Je l'ai laissée au château. Elle pense que ça ira bien. Ne l'amène jamais ici la nuit, tu entends? Ce serait trop dangereux. Jamais, tu entends? Docteur Mialov. Montons dans la chambre. Rudolf va bien dormir. Mais ce jeune homme est vraiment courageux. Bonsoir, Rudolf. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Faites-vous des progrès, au moins? C'est un peu tôt pour le dire. Il y a beaucoup d'examens à faire. Les médicaments que vous m'avez commandés seront là demain matin. Merveilleux. Je vous demanderai maintenant de nous laisser. Il est temps d'aller dormir. La nature de mes travaux nous oblige à passer la nuit à travailler. Et nous dormons le jour. Bien, je vais vous laisser. Mon père commence à s'étonner de mes absences. Alors, à demain.
Je trouve que Rudolf a changé. Il est étrange, lointain. C'est pas ce qui se passe. Est-ce que tu n'as rien remarqué, toi? Oui. Ma fille aussi rentre toujours à l'aube. Et ses études, il n'en est plus question. Oui, je crois que plus rien ne l'intéresse. Le garde forestier m'a dit les avoir vus sortir des caves aussi. Je crains qu'ils ne se mettent à boire. Bonsoir, chère madame. On ne peut pas aller en haut. Aujourd'hui, Janos doit rester seul avec Valdemar. Allons l'attendre là-bas. En cuanto al asesinato del guardabosques, el superintendente sigue sin hallar ningún indicio. Las gentes del pueblo han perdido su alegría. Parecen atemorizadas. Y todos se encierran en sus casas cuando anochece. El ambiente me recuerda a otros viejos tiempos de pesadilla. Que Dios proteja a nuestros hijos. Vous êtes endormi. Il fera bientôt jour et il faut vous en aller. Ce soir, Rudolf, il faudra que Hyacinthe vienne, comprenez-vous? Car je dois pratiquer une expérience qui nécessite sa présence. Je souhaite le bonsoir à monsieur le comte. Est-ce que ma fille a quitté sa chambre à un moment quelconque? Non, monsieur le comte, elle a voulu se faire servir à manger dans sa chambre. Et vous pourrez partir quand elle aura terminé. Merci, monsieur le comte. Pourrais-je servir le dîner?
Non, merci, j'ai déjà dîné chez le juge. Non, maintenant, allez dormir, il se fait tard. Peux-tu oser rentrer à cette heure-là? Tu as passé toute la nuit dehors, n'est-ce pas? Tout comme une vulgaire fille des rues. Je veux savoir où tu étais. Nulle part, papa. Où ça, nulle part? J'étais allée me promener. Allez, va dans ta chambre et n'en sors pas avant que je t'en donne l'ordre. Va. Tu es maudit.
fils de Satan, maudit. Tu m'as transformé en vampire pour boire le sang. Fils de Satan. Le sang du fils de Satan. Mon cher Sixmine, excuse-moi, j'ai été réveillé par un cauchemar. Alors je suis allé dans la chambre de Rudolph en pleine nuit. La chambre était vide et j'ai trouvé le mot qu'il avait laissé. Tiens, tu n'as qu'à lire. Elle m'appelle, c'est plus fort que moi et j'y vais pour être auprès d'elle. Je lui appartiens tout entier, tout entier. Je dois la rejoindre dans la maison des Wolfstein cette nuit. Wolfstein. Dieu me vienne en aide. Je suis perdu. Il faut appeler le garde forestier principal. Brumaire nous dira tout ce qu'il convient de faire. Nos enfants courent un grand danger. Dans ce cas, la police ne peut pas grand-chose, car nous combattons les mauvais esprits. Partons tout de suite. Il ne faut pas les laisser seuls. Partons tout de suite. Regarde un peu ce que j'ai trouvé dans la chambre. Mi hija, son balas de plata. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut nous mettre à leur recherche sans plus attendre. Nous combattons l'esprit du diable. D'accord. Ça vient d'en bas. C'est de là que ça vient.
Sigmund, qui ça peut bien être? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites. Yacinthe et Rudolf sont tombés aux mains des vampires. Des vampires? Nous devons agir au plus vite, Sigmund. Connaissez-vous leur cachette? Délivrez-moi, je vais vous montrer où ils sont. Conduisez-nous, c'est très grand ici, Valdemar, et rempli de recoins. Nous n'avons qu'une heure pour les rejoindre. La nuit, les vampires retrouvent leur puissance. Je te demande de ne pas l'oublier, comprends-tu? Le jour, je suis normal. Mais quand la pleine lune brille, moi aussi, je suis un danger pour vous. J'ai trouvé ces balles d'argent. Je vous en prie, n'hésitez pas à vous en servir. Allez, partons. Peut-être est-il trop tard. Soyez prudent. Il y a des heures qu'on cherche, sans aucun. C'est à désespérer. Et pendant que le temps passe, nos chances diminuent, les pauvres. Je voudrais savoir où sont nos enfants. Mais où est Valdemar? Ils viennent disparaître. Passons plutôt de l'autre côté. A suivi Janos dans la galerie. Ils ne doivent pas être très éloignés. Il l'a en son pouvoir et nous avons perdu un temps précieux. Ce que je ne comprends pas, Valdemar, enfin, pourquoi vous n'avez pas essayé de les anéantir, connaissant leur effroyable nature? C'était impossible. Ils savaient que j'avais découvert les vampires de Dracula et ils m'ont forcé à passer le jour dans un état d'hypnose. Mais pendant la nuit, comme leurs artifices ne peuvent avoir aucune action sur le loup-garou, ils m'ont ligoté dans la chambre des tortures. Partons vite, tout de suite. Oui, suivez-moi. Je l'ai trouvée, elle est là.
Demain.
Oh.